Merci aussi aux 15 jurys qui font partie du comité de sélection, qui sont d'ailleurs bénévoles. Et je tiens à vous dire aussi que ce travail représente à peu près une trentaine d'heures de travail. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près une semaine de travail quand on devient jury pour le gala. Et sachez aussi que les gens qui sont sur le jury sont composés de 50 % de gens d'affaires et 50 % des gens des organismes publics. Et tous ces gens-là étaient divisés 50 % de l'Est de Charlevoix et 50 % de l'Ouest de Charlevoix. Alors, c'était un jury qui était équitablement choisi et représentait bien la région. Si vous regardez la progression de la Chambre de commerce depuis les 5 dernières années, vous serez à même de constater que nous sommes toujours en forte progression, et c'est représenté notamment avec les résultats qu'on a aujourd'hui que je vous présente. Alors, si on retourne en 2015, on avait 23 candidatures et cette année, nous en avons reçu 80. Alors, vous comprenez que une grosse différence, et c'est 56 entreprises, en fait, qui ont déposé 80 dossiers. Donc, vous comprenez que certaines des entreprises ont pu déposer plusieurs dossiers pour différentes catégories. Ça démontre naturellement le dynamisme des entreprises d'ici et leur désir de rayonnement. Ça nous prouve aussi, ça nous démontre que vous appréciez cette reconnaissance et que vous croyez en notre travail à la Chambre de commerce. Ça m'amène à en profiter pour souligner le travail des administrateurs qui, d'ailleurs, eux aussi, nous sommes tous bénévoles au sein de la Chambre de commerce et on travaille pour la communauté. Vous savez, lors des conseils d'administration qu'on a à la Chambre de commerce, j'ai la chance d'avoir des administrateurs de tout horizon, mais tout aussi compétents les uns que les autres, et veulent toujours aller plus loin. Parlant d'aller plus loin, bien, j'aimerais remettre la première étoile du match à Joanne Côté et à notre comité organisateur pour ce gala qui s'en vient et que j'en suis sûr sera une réussite. Et les administrateurs, ce soir, vont remettre avec fierté un certificat à chaque finaliste attestant sa participation à l'édition 2019. Ce certificat est imprimé sur du papier Saint-Gilles, monté sur un passe-partout par les encadrements du CAP. D'ailleurs, un merci à Claude Letarte et de la papeterie Saint-Gilles et à Jean-Louis Simon des encadrements du CAP. Pardon. Vous savez, pour organiser un gala comme celui-là, ça prend des gens qui l'organisent. Ça prend des gens qui participent, qui se présentent, et pour tout le reste, comme on dit, il y a Mastercard. Non, je fais des farces, mais ça prend de l'argent aussi. Et puis, ça me permet de terminer en soulignant l'apport financier et la contribution du présentateur du gala, qui est le Casino Charlevoix. Donc, j'aimerais le remercier pour son support financier et son hospitalité. D'ailleurs, parlant du casino, j'invite, s'il vous plaît, Philippe Chantal, directeur général du casino, à s'adresser aux finalistes. Merci. Salut tout le monde, comment ça va? Bon! Écoutez, là, ils m'ont donné un texte, je vais essayer de le suivre. Je suis tellement pas bon dans suivre des textes, fait que je vais y aller tout simplement avec le cœur. Mais première des choses, merci de votre présence. Raphaël disait, vous avez bravé le froid. On reconnaît les vrais entrepreneurs en vous, que les obstacles, ça vous fait pas peur. Vous savez, Casino de Charlevoix, c'est un grand partenaire qui est fier de supporter la communauté. On est des gens qui aiment s'investir dans ce que vous faites. On croit beaucoup à l'économie de la région, on croit beaucoup au talent qu'il y a dans la région. Et évidemment, ça, pour nous, ça nous motive beaucoup à s'associer avec la Chambre de commerce. Il y a dans la salle, évidemment, beaucoup de talent. Vous le savez, vous vous connaissez vous-même, mais c'est important de le souligner. Quand je parle de talent, je parle de créativité, je parle de dynamisme, je parle de persévérance. Vous êtes des gens qui, au quotidien, faites face à différents défis, des enjeux, des obstacles. Et malgré ça, vous savez toujours vous relever. Et ça, pour nous, ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes et qu'on aime souligner. On a une relation d'amour, le Casino Charlevoix et la Chambre de commerce, qui dure depuis longtemps. Et comme toute belle histoire d'amour, on souhaitait que ce soit une longue histoire d'amour. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé pour les 5 prochaines années à être le présentateur du Gala Charlevoix Reconnaît. Pour nous, comme je le disais tantôt, c'est extrêmement important.
Et on est fiers, on est très fiers de participer à ce beau gala-là et de reconnaître tout le talent qu'il y a ici dans la salle. L'Auto-Québec et le casino, entre autres, on a eu des discussions avec la Chambre de commerce. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour amener un symbole extrêmement fort qui reconnaîtrait évidemment tout votre travail? Et on a eu l'idée de créer un trophée que j'aurai tantôt l'occasion de laisser l'artisan gagnant le présenter. Donc, on organisait un concours, on voulait s'assurer qu'on a un trophée qui est très symbolique, donc tout le monde ici dans la salle, qui évidemment le gagnera, sera fier de pouvoir mettre en valeur un trophée qui symbolise évidemment l'acharnement au travail, la réussite, un trophée qui symbolise également les difficultés qu'on a comme entrepreneur. Les gens d'affaires, vous le savez, hein, il n'y en a pas de facile. On est dans un contexte de changement qui est au quotidien un défi pour tous. Un défi qui nous amène à être toujours un peu plus fort de jour en jour. Et pour nous, c'est important de s'associer, là, encore une fois, avec ce beau trophée-là pour une autre période de 5 ans. Donc, on est fiers du partenariat avec la Chambre de commerce pour les 5 prochaines années. Mon équipe et moi vous saluent et on vous remercie beaucoup là, d'être présent ce soir, puis on félicite les finalistes. Je vous ai parlé du trophée. Vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés pour exprimer exactement ce que ça représente. Quand j'ai participé, entre autres, au jury pour choisir le trophée, je dois avouer qu'on a du talent dans Charlevoix, c'est hallucinant. On a eu des candidatures, des présentations qui nous ont été faites. Et en tout cas, je me fais le porte-parole un peu du comité qui a choisi. Je dois vous avouer que ça n'a pas été un choix facile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'œuvres qui représentaient beaucoup ce que vous faites. Et là, ben, j'ai eu l'idée de tout simplement inviter Stéphane Bouchard, qui est le grand lauréat, qui va nous présenter le trophée, qui va être le symbole de la réussite pour les 5 prochaines années ici dans Charlevoix. Stéphane, je pense qu'il va être la meilleure personne pour vous en parler des ateliers Charlevoix. Donc, Stéphane Bouchard. Alors, bien, tout d'abord, merci beaucoup à la Chambre de commerce pour cette belle visibilité-là. Je tiens à remercier aussi à la qualité, comme M. Chantal l'a dit, des artisans qui ont produit un prototype pour le trophée. Il y avait beaucoup de beaux potentiels, puis c'est vraiment intéressant d'avoir des concours comme ça. Ça fait rayonner Charlevoix partout, donc c'est super agréable. Alors, un peu pour vous donner un peu le topo de qu'est-ce que ça représente, le trophée. Donc, si je le place comme ceci... La base qui est faite en porcelaine représente un peu tout. Vous allez voir, si vous prenez tout à l'heure, il est assez pesant. Donc, représente tout le bagage que les entrepreneurs doivent avoir, les expertises et tout ça. Ensuite de ça, la petite pierre blanche, la porcelaine également, qui fait référence à l'entrepreneur lui-même, donc qui est comme une graine qui s'apprête à germer, à laisser sortir tous ses talents et toutes ses belles surprises. Et puis, la couronne de cuivre qui la supporte, je pourrais dire, c'est vraiment ce qui fait référence à la Chambre de commerce. Donc, du réseautage, une expertise que les entrepreneurs peuvent aller chercher. Et puis, vous remarquerez, quand vous le verrez tout à l'heure, qu'il y a aussi des petites aspérités donc, qui font référence au kintsugi, donc tout le monde se demande peut-être un peu c'est quoi. C'est un art japonais qui répare la vaisselle, mais au lieu de la réparer sans montrer la fissure, donc va la réparer avec de l'or pour montrer la fissure, pour montrer que cette vaisselle-là a une espèce de passé. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de nos essais-erreurs. Il faut vraiment les montrer, puis dire on a passé au travers, on s'est relevé, puis on continue dans cette veine-là. Alors, c'est un peu l'image là, que je voulais donner à ce trophée-là. Donc, voilà. Bonne soirée à tous. Alors, sans plus tarder, accueillons maintenant le dynamo, l'étoile du match, telle qu'on l'a présenté tantôt de la Chambre, celle qui carbure au défi et au nouveau projet, la directrice générale de votre Chambre de commerce, Mme Joanne Côté. Alors, bonsoir. On a dit que j'étais l'étoile du match, peut-être, mais vous le savez, moi, je ne connais pas beaucoup le hockey, mais je pense que ça prend vraiment des gens qui nous aident pour être l'étoile du match. Et je vais en profiter pour souligner notre nouveau coordonnateur et son travail exceptionnel, Jean-Christophe Maltais.
Et je voudrais aussi souligner le travail d'une personne qui nous est chère aussi à la Chambre et qui travaille maintenant beaucoup à Vise-Charlevoix, mais qui est encore dans nos bureaux et qui fait encore du travail pour la Chambre. Alors, je souligne le travail de Julie Tremblay. Alors, merci à vous deux pour votre aide. Alors, on va y aller parce que je suis sûre que vous êtes excités de savoir c'est qui les finalistes. Alors, on commence par la catégorie l'innovateur. Dans cette catégorie, on retrouve Quand le manoir. Alors, j'invite le Quand le manoir à venir. Quand le manoir. Les gens du Quand le manoir, s'il vous plaît, vous êtes demandés à l'avant. Diffusion Charlevoix. École de la cité danse. Espagnol pour voyager. La beauté du vin. Les espaces Saint-Étienne. Mode hairdresser. Et au bureau, espace d'affaires collaboratif. Alors, j'invite tout le monde qui ont des représentants dans la salle de ces entreprises à venir nous rejoindre sur la scène pour recevoir le certificat de finaliste de la catégorie l'innovateur. Bonsoir. Écoutez, c'est vraiment une catégorie qui me plaît. Charlevoix, charme-moi. Donc, dans cette catégorie, les nommés sont Auberge de jeunesse La Malbaie, Auberge Les Balcons, venez, venez me rejoindre, Coopérative de solidarité L'Affluent, Domaine Fraisère, Faux Berger, Le Diapason Bistrot Épicurien, Repère Boréal. Bonsoir tout le monde. Donc, dans la catégorie l'attractif, les nommés sont Centre de l'Émeut de Charlevoix, Cuisine, cinéma et confidence, Événement Aricana, La Base, la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, La Reine et le Millionnaire, la Table agrotouristique de Charlevoix, le Domaine Forget de Charlevoix, le Massif de Charlevoix, le Train de Charlevoix, le Musée maritime de Charlevoix, ainsi que le Spa au Quartz. Donc, dans la catégorie le polyvalent, les finalistes sont Hôtel Baie-Saint-Paul, la Coop de l'Arbre, Mousse Café Coopérative de Solidarité et TVCVM Go Explore. Dans la catégorie l'engagé, les finalistes sont Quand le manoir, Gaïp Charlevoix, La Marée, La Virée nordique de Charlevoix, Le Festif, Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, les services de main-d'œuvre L'Appui, SPCA Charlevoix et TVCO. Bonsoir. Alors, dans la catégorie l'entrepreneur, les nominés sont Auberge des Balcons, Coopérative de solidarité L'Affluent, Diffusion Charlevoix, Espagnol pour voyager, Faux Berger, Gaïp Charlevoix, Resto Pub Belle et Bomme, La Base, La Reine et le Millionnaire, Le Diapason Bistrot Épicurien, Les Espaces Saint-Étienne, Mode Hairdresser, Au Bureau Espace d'affaires collaboratif et Repère Boréal. Alors, bonsoir tout le monde. Dans la catégorie l'ambassadeur, les finalistes sont Charcuterie Charlevoisienne, Club cycliste de Charlevoix,
de Fermont, le manoir Richelieu, la beauté du vin, la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, les viandes biologiques de Charlevoix, le domaine Forget de Charlevoix, la microbrasserie de Charlevoix et Smart Suspension. Félicitations à tous. Alors, bonjour à tous. Dans la catégorie Le Performant, les finalistes sont le Centre commercial Le Village, Financière Banque nationale, Gabarit, Élie Charlevoix et Le Loup Blanc. Alors, dans la catégorie Le Productif, les finalistes sont Charcuterie charlevoisienne, La Miellerie du cratère de Charlevoix, ainsi que Simard Suspension. L'éco-responsable, les finalistes sont l'Auberge de jeunesse La Malbaie et le Petit Manoir du Casino. Les finalistes dans la catégorie L'accueillant, Iris, la Miellerie du cratère de Charlevoix, les services de main-d'œuvre L'Appui et Resto Pop Belle et Bombe. Hey, bonsoir, tellement, mais tellement content de vous voir. Vous êtes dynamique. Quelle soirée. Bravo. Merci infiniment pour votre participation. C'est génial. Alors, écoutez, les finalistes, je dois vous présenter avant le mot de la fin. On est déjà rendu là. Oui, effectivement. Les finalistes dans, le, dans la catégorie les passeurs et repreneurs. Alors, on parle ici du domaine frais air. On parle de la librairie Baie-Saint-Paul. Et finalement, service Infocom. OK, alors écoutez, voilà, ça y est, le compte est bon. C'est quand même pas rien. On parle ici de, comme vous le savez, 80 finalistes, 56 entreprises. C'est génial. Alors, évidemment, comme Chambre de commerce, on ne peut qu'être très, très fiers de représenter une communauté des gens d'affaires aussi dynamiques, des gens d'affaires charlevoisiens. Nous en avons vraiment un bel échantillonnage ici ce soir. Écoutez, on parle entre autres là, d'entreprises matures que j'ai vu aussi évidemment des entrepreneurs, des entreprises en démarrage, mais surtout ce qui me fait aussi plaisir énormément, c'est des entreprises de la relève. Je vois encore de nouveaux visages avec nous ce soir, et puis ça, c'est vraiment rafraîchissant. En fait, ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'on sait pertinemment que ces gens-là seront eux-mêmes les personnes et les entrepreneurs, les entreprises qui forgeront le paysage économique de demain, le paysage charlevoisien. Et au plus profond de mon cœur, je crois fermement, je suis profondément convaincu que le paysage économique de demain, charlevoisien, sera très, très beau, sera très, très brillant. Alors, je vous le confirme, mesdames, messieurs, entrepreneurs, vous êtes à la bonne place au bon moment. Alors, ceci étant dit, tous ensemble, j'aimerais que vous donniez une bonne main d'applaudissement. Vous le méritez très fort. Merci. Merci beaucoup à tous les commanditaires du gala qui nous sont toujours très, très fidèles. Je parle ici, bien sûr, encore une fois, de notre présentateur, notre autre du gala Charlevoix, M. Philippe Chantal. Alors, écoutez, un dernier grand merci, naturellement, à nos fidèles supporters que sont la papeterie Saint-Gilles, j'ai vu Claude tout à l'heure, encadrement du CAP. Merci aux administrateurs de la Chambre qui étaient présents avec nous pour la soirée. Merci au comité des événements qui fait un travail colossal au niveau de la Chambre de commerce. Merci beaucoup à l'équipe de direction, notre tout nouveau, tout à l'heure, on a parlé, Jean-Christophe Maltais, un beau jeune homme. Madame, je l'appelle affectueusement Madame Ville Charlevoix, Madame Julie Tremblay, qui est avec nous et qui nous donne toujours un fier coup de main. Et finalement, bien, un grand, grand merci à la grande chef d'orchestre de la Chambre de commerce, Madame Joanne Côté. Merci beaucoup, Madame Côté. Oui, une bonne main d'applaudissement. Madame Côté, on vous... Elle est toujours trop occupée.
Alors voilà, c'est ce qui termine l'activité de ce soir. Naturellement, je vous donne rendez-vous le soir du gala du 31 prochain. On sera là pour célébrer vos succès comme il se doit. Alors merci infiniment. Profitez des installations extraordinaires du casino ici pour réseauter et continuer de vous amuser ensemble. Alors voilà, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, nous sommes présentement en compagnie des coprésidents de la Chambre de commerce, un qui s'y révérence après plusieurs années, M. Julien Dufour, bonjour, et Raphaël Dubois qui, lui, comme, est la relève, quoi. Messieurs. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce soir, on vient d'assister effectivement à la nomination de l'ensemble des gens qui vont participer au prochain gala par rapport à ces finalistes-là. Une belle prestation jusqu'à maintenant? Tout à fait. Mais écoutez, premièrement, je tiens à dire que si on retourne en arrière depuis 2015, on pourrait dire par exemple qu'on avait 23 dossiers en 2015. Maintenant, on en a 80. Donc, c'est 56 entreprises qui présentent 80 dossiers cette année-là. Alors, quand on regarde l'évolution, M. Dufour, on regarde aller les choses depuis le temps que vous êtes là. Ça fait combien d'années, là? Un bon 8 ans maintenant, là. Bon, 8 ans. Puis le gala en soi, est-ce qu'on ne connaît pas le nombre d'années? Hein? Il y a un manque d'archives à quelque part. Peut-être, faudrait peut-être fouiller au niveau de nos archives un peu pour aller remonter dans le temps. Mais écoutez, c'est un événement extraordinaire. Puis c'est comme on vient si bien de dire, comme Raphaël vient de le mentionner, c'est un événement qui est très prisé. C'est un événement qui est. On connaît une belle croissance avec ça. Donc, on considère que la communauté prend pour acquis que ce gala-là est excessivement important pour nous. Et ça fait tellement de bien de se faire donner une petite tape dans le dos et de s'encourager. Tous ces entrepreneurs-là qui se lèvent le matin, qui travaillent tellement fort. Alors, ce gala-là, c'est un gala pour eux. C'est une célébration qu'on veut faire et on a toujours voulu les mettre à l'avant-scène et leur donner la visibilité qu'ils méritent. Combien de participations? 50-quelques entreprises et 80 dossiers, quelque chose du genre? Exactement. 80 dossiers, 56 entreprises. C'est même un peu plus que l'année passée, malgré la présence du premier ministre du Canada. Donc, on a quand même... On vogue actuellement sur une belle vague. On garde le cap, quoi. Yes. On s'en va vers le haut tout le temps. Tout à fait. Julien, vous allez bientôt quitter plusieurs années, effectivement, à la tête de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Bien, écoutez, c'est sûr que je n'y pense pas trop encore parce que je me sens tellement bien, je suis tellement heureux de côtoyer tous ces gens au niveau du conseil d'administration de la Chambre, tous ces administrateurs, tous ces bénévoles extraordinaires qui acceptent de donner volontiers de leur temps, bénévolement de leur temps et de leur énergie faire bénéficier la communauté de toute leur sagesse, leur savoir-faire, leur expérience. Alors, c'est extraordinaire. Alors, une équipe de gouvernance, Mme Côté et Julie et notre nouveau jeune homme, Jean-Christophe, qui fait un travail exceptionnel. Alors, tout ça m'a appris tellement de choses. Et je pense qu'au final, je pense que le constat qu'on pourra faire de ces quelques années que j'ai données à la Chambre, je vais en retirer, je crois, beaucoup plus que ce que j'ai donné. Puis je suis très heureux de ça. Parce que vous êtes un homme d'affaires, donc vous étiez déjà très impliqué, mais le fait d'être à la tête de la Chambre de commerce, ça a pu apporter quoi comme une autre vision? Bien, écoutez, il arrive un certain moment donné dans une carrière où est-ce que tu as côtoyé, depuis 1980, je côtoie sur une base quotidienne des gens exceptionnels, des charlevoisiens, des gens de cœur. Et puis, j'ai reçu beaucoup de la communauté. Et c'est pour ça que j'ai, depuis 7 ou 8 ans maintenant à la Chambre des commerces, je me sentais d'une certaine façon redevable à la communauté. Alors, c'est pour ça qu'à partir de là, lorsque j'ai décidé de m'impliquer vraiment à fond au niveau de la Chambre et au niveau des entrepreneurs chez nous, c'est une satisfaction qui est exceptionnelle. Et puis, je suis tellement heureux. Naturellement, encore une fois, on a eu une belle évolution, une belle croissance. Et puis, l'autre facteur aussi qui fait en sorte que je pourrais quitter sans crainte, eh bien, évidemment, vous l'avez, la raison.
raison avec moi aujourd'hui. Raphaël, qui est un jeune homme sérieux, ça fait déjà plusieurs années, malgré son jeune âge, qui est à la Chambre. 7 ans, Raphaël? 7 ans. 7 ans. Alors, je pense que Raphaël va continuer d'être bien supporté par l'ensemble des administrateurs. Évidemment, on souhaite que ce soit Raphaël. Encore une fois, je dois vous rappeler que c'est pas le président jamais qui a le pouvoir de déterminer qui sera le prochain président ou son successeur. Cependant, on s'entend pour dire qu'à ce moment-ci, Raphaël a comme, mettons, une longueur d'avance, mettons. Parce que là, ça fait pratiquement un an, là, côté transition. Alors, Raphaël, on vient chausser des chaussures qu'on connaît de Julien ici à côté. J'appelle Julien parce qu'au fil du temps, on a appris à se connaître davantage et à s'apprécier mutuellement. On s'en vient potentiellement comme nouveau président de la Chambre de commerce de Charlevoix. On part d'où et on s'en va où avec tout ça? Bien, on part premièrement avec, comme vous l'avez dit, des grandes pointures. C'est clair que j'ai un mentor derrière moi qui me pousse à me dépasser toujours. Et puis, même dans la vie professionnelle, Julien aussi, on se tutoie un petit peu. Là, puis, je dirais même qu'au niveau professionnel, je le considère comme un mentor aussi. Fait que c'est comme naturel pour moi un petit peu de suivre ses traces puis de suivre ses pas. Fait que, puis il me facilite beaucoup la tâche à ce niveau-là. Où on s'en va, bien, écoutez, ça va dépendre des administrateurs, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre des dossiers aussi qui vont venir. Parce que vous savez, au niveau de la Chambre de commerce, nous, on est là pour aider nos entrepreneurs à défendre certains dossiers qui sont chauds. Et puis, bien, ça va dépendre de ça. Mais c'est sûr, assurément, on va toujours être là pour rassembler les entrepreneurs ensemble. Favoriser le réseautage, puis naturellement défendre les intérêts de nos commerçants ou de nos produits et services. Quand on regarde l'évolution de la Chambre de commerce au fil du temps, après X années effectivement à sa tête, on est content de ce que l'on a réalisé? Oui, écoutez, Herman, il est évident que je pense que la Chambre de commerce a maintenant pris sa place au sein de la communauté des gens d'affaires charlevoisiens. Les gens d'affaires charlevoisiens maintenant connaissent et reconnaissent la Chambre de commerce comme un média important. En fait, par la Chambre de commerce, les entrepreneurs se retrouvent. On est évidemment souvent, on nous demande souvent de prendre des positions sur des dossiers chauds, des dossiers pertinents. Nos prises de position, pardon, donnent une plus-value aux dossiers que l'on considère justes et qui contribueront à donner une croissance économique intéressante à nos entrepreneurs, à notre belle région charlevoisienne. Bien, c'est sûr qu'on va adhérer. Et on va tout mettre en place pour faire en sorte que le soleil charlevoisien pour les gens d'affaires brille déjà actuellement. C'est génial ce qui se passe actuellement. J'ai vu l'évolution, j'ai vu le thinking, si vous me permettez l'expression anglaise, au cours des 5-10 dernières années. Et actuellement, il y a vraiment, vraiment un beau momentum au niveau de Charlevoix. Et puis tantôt, je l'ai dit en discours de fermeture, à savoir, je suis tellement heureux lors de ces rencontres-là de voir toute cette belle relève-là qui est là. Et ils sont vraiment, encore une fois, ces gens-là, à la bonne place, au bon moment. Il n'en tient qu'à eux pour faire en sorte que le soleil brille encore plus fort pour les prochaines années à Charlevoix. Alors, prochain grand rendez-vous, c'est effectivement le gala Charlevoix Reconnaît qui est à la fin janvier, effectivement, ici même au manoir Richelieu. Et on ne connaît pas la Xème édition, mais chose certaine, ça demeure malgré le fait que l'an dernier, on avait eu Justin Trudeau qui était dans le cadre du G7 présent ici. Ça demeure quand même un gros événement qui s'en vient, là. Absolument. Comme on le disait tout à l'heure, Raphaël, la vente des billets va bon train et le 31 janvier prochain, ça voudra naturellement une belle grande célébration. Une célébration qui sera là pour saluer, remercier, féliciter, reconnaître le travail des entrepreneurs et des gens et des charlevoisiens. Et on s'attend, évidemment, le premier ministre, naturellement, ne sera pas là. Cependant, il y aura d'autres surprises et je suis convaincu que les gens qui assisteront à la soirée, à cette fameuse soirée, ce fameux gala, seront satisfaits comme toujours. Si on se fie aux 2 et 3 dernières années, la barre a toujours été de plus en plus haute. Alors, attendez-vous cette année, encore une fois, à ce que la barre soit encore plus haute. Bien, messieurs, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. On va se dire, genre, bonne retraite ou bon temps d'arrêt, pour employer l'expression, puis potentiellement, bien, un beau futur. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. We'll be right back.
Stéphane Bouchard d'Atelier Charlevoix. Vous avez été participant, bien sûr, effectivement, à un concours pour déterminer quel serait le trophée à remettre dans le cadre du Gala Charlevoix. En plus d'être participant, vous avez gagné. Ça a été quoi, finalement, toute cette procédure-là? C'est un super beau projet, dans le fond, qui nous fait sortir un peu de notre zone de confort, qui nous procure une belle visibilité auprès des gens de la région, auprès des entrepreneurs du coin. C'est un beau coup de pouce que la Chambre de commerce donne aux artisans et aux artistes de Charlevoix également, ainsi que le Casino de Charlevoix. Donc, c'est un super beau contrat, là. Je suis vraiment très content de l'avoir remporté, mais je tiens à féliciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup, la qualité était là, les artistes se sont présentés, ont proposé des super beaux trophées qui auraient très bien pu faire l'objet, comme le mien, pour un super contrôle. Ouais. Comment est venue l'idée? Parce que ça a dû cogiter, on nous demande quelque chose, le processus créatif, quoi, pour en arriver à ce produit final? Il y a toujours une démarche artistique qu'on fait normalement. Donc, effectivement, on s'assoit, on pense un petit peu, bien, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que j'ai la fibre entrepreneuriale? Qui sont les acteurs qui sont alentour de nous, qui vont nous aider, qui vont nous supporter dans tout ça? Qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur? C'est des questions que je me suis posées il y a environ 3 ans avant que je rachète les ateliers de Blois. Donc, je l'ai-tu, cette fibre-là? Je suis-tu capable d'avancer dans ça? Donc, je suis parti avec ces bases-là. Donc, comme le trophée le démontre, des bases solides, des connaissances, une expertise, puis c'est ce que ça prend pour un coup de pied aussi pour partir, pour se donner l'élan de, et puis chapeauté par la Chambre de commerce qui vient comme une main venir nous soutenir dans tout ça, donner son expertise également, que ce soit financier ou conseil ou des choses comme ça, donc on peut pas demander plus, là. Est-ce que ça a été long de cogiter le projet, pour dire, je fais quoi, on part d'une page blanche, dans le fond? On part d'une page blanche, mais je vous dirais qu'on sait déjà un peu ce qu'on veut. Je voulais que le trophée ait l'air d'un trophée, donc qu'il soit pesant, qu'on ait l'impression de gagner quelque chose, puis de l'avoir en hauteur pour l'élégance et tout ça. Donc, tous des termes là, qui j'ai étudié en graphisme, donc qui viennent chercher un peu là, dans ce que j'ai étudié. Puis j'ai transposé ça. Puis je dois vous dire que ça a sorti de 3 jets. Là, j'avais probablement mon idée qui était pas mal fixée. Là, donc je suis parti dans cette veine-là. Il n'y a pas une nuit blanche autour de ça? Non, pas du tout, pas du tout. Non, ça va de ce côté-là. Alors, finalement, il est composé de 3 éléments principaux. Oui. La base, la pierre et effectivement le cuivre. Effectivement. Donc la base représente un peu, comme je vous disais tout à l'heure, les connaissances que l'entrepreneur doit avoir pour faire son bout de chemin, toute l'expertise et tout ça. La pierre blanche qui est faite de porcelaine, donc, représente un peu l'entrepreneur lui-même, donc qui est comme une graine qui s'apprête à germer et à laisser sortir tout son potentiel, toutes ses réalisations qu'il va devenir. Puis la couronne de cuivre qui, par sa conductibilité, est capable, comme la Chambre de commerce qui la représente d'ailleurs, là, son soutien, son réseautage, sa transmission de savoir, donc qui vient englober ou tenir la main à l'entrepreneur pour l'amener un peu plus loin. Ça fait comme un C, C pour Chambre de commerce. Les 3 C, Chambre de commerce, Charlevoix également. Là, plus on élabore, là, plus on peut sortir là, de choses différentes comme ça. Okay. Là, finalement, en plus de ce concours-là puis de l'avoir gagné, c'est quelque chose qui va devenir une sorte de trophée permanent pour les 5 prochaines années. Effectivement, c'est un contrat qui a été octroyé pour les 5 prochaines années, donc à titre de 15 trophées par année. Donc, c'est un contrat sur 5 ans, effectivement. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans son atelier, c'est une belle reconnaissance? Tout à fait. C'est une belle reconnaissance que la Chambre de commerce me fait. Puis, regardez, c'est sûr et certain que je suis très heureux de ça. Ça se voit dans votre visage. Félicitations. Puis, on va être heureux de voir effectivement des gagnants au prochain Gala Charlevoix pour la première fois prendre possession de leur trophée bien mérité s'ils gagnent. Tout à fait. L'année passée, j'étais à la place des finalistes. Donc, cette année, je vais faire partie intégrante des gagnants, donc de tous les gagnants. Donc, c'est merveilleux. Génial. Merci beaucoup. Un plaisir. Passez une belle fin de soirée. We'll be right back.
Thank you.